Hallelujah. Matthew chapter 16, 13 through 16. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say the Son of Man is?" Matthieu 16, au verset 13, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? They replied, some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah or one of the prophets. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. But Jesus asked them, what about you? Mais who Jésus, do you say that I am? Jésus a demandé, à vous, qui dites-vous que je suis? Simon Peter answered, "You are the Christ, the Son of the living God." Simon Pierre répondit, "Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant." Now I want to take as my text tonight the question Jesus asked his disciples. Je voudrais prendre comme texte cette question que le Seigneur a posée. Who do you say that Jesus is? Je vais vous poser la question. Pour vous, qui est Jésus? Amen. I have had the privilege over the last 20 plus years in ministry to preach in different countries of the world. Depuis plus de 20 ans de ministère, j'ai eu l'occasion de prêcher dans plusieurs pays. Currently, my wife and I are working in the Netherlands, Belgium, Luxembourg, and France. Actuellement, nous travaillons dans ces différents pays. And everywhere I go to preach, I notice something that is similar in the house of God. Et partout où je prêche, je remarque quelque chose de similaire dans toutes les églises. So many people come to the house of God not with a joy in their heart. Je remarque toujours un certain nombre de personnes qui viennent sans avoir une pleine joie. And not much victory. Et ces personnes n'ont pas de victoire. Depressed, discouraged. Elles sont déprimées, découragées. Perhaps even on the verge of quitting. Peut-être sur le point d'abandonner. And I really believe that the reason that we allow ourselves to get in that kind of position. Et je crois que la raison pour laquelle nous permettons que le diable nous place dans une telle position. It is so easy to forget who he is and what he has done for us. C'est parce que c'est trop facile d'oublier ce qu'il a fait pour nous, qui il est pour nous. You see, when your eyes are firmly fixed on Jesus. Quand vos yeux sont fermement fixés sur Jésus, quand vous vous rappelez continuellement ce qu'il a fait pour vous personnellement, it is rather hard to get discouraged. C'est difficile d'être découragé. I once was lost, but now I'm found. J'étais perdu, maintenant je suis sauvé, je suis trouvé. I was separated from God, now I'm a part of his family. J'étais séparé d'avec Dieu, maintenant je fais partie de sa famille. When I began to think about all the things he's done for me, quand je pense à toutes les choses qu'il a faites pour moi, who he is, et qui il est, I certainly am not going to stay sad very long. Je ne vais pas rester triste très longtemps. So tonight this message is for you. Donc ce soir, ce message est pour vous. Because I am convinced there are some of you who came to church today and you're in that condition. You're not having much joy right now. You're discouraged. Car je suis convaincu que vous êtes venu aujourd'hui et vous n'avez pas énormément de joie. So tonight we're going to get our eyes off of our problems. Donc ce soir, je vous encourage à ôter vos yeux de vos problèmes. And we're going to fix them on Jesus. Afin de les fixer sur Jésus. Who is this Jesus? Qui est-il? And what has he done for me? Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Well, first and foremost, he is my savior. Premièrement, il est notre sauveur. The Bible tells us that there is nobody righteous. La Bible dit qu'il n'y a aucun juste. There is no one holy. Il n'y a aucun saint. We are all born with an innate nature to sin. Nous sommes nés avec cette nature pécheresse. When Adam fell in the garden, sin entered human race. Quand Adam a péché dans le jardin d'Éden, le péché est entré dans la race humaine. We are all sinners. Nous sommes tous pécheurs. We are all separated nous from the holy God. Nous sommes tous séparés d'avec ce Dieu saint. We have no peace. Nous n'avons pas de paix. We have no joy. Nous n'avons pas de joie. We have no assurance of life everlasting. De la vie éternelle. And there is nothing that we can do in our own ability. Il n'y a rien que nous puissions faire par notre capacité personnelle. To get forgiveness of that sin. Pour être pardonné de nos péchés. We can live a good life. Nous pouvons vivre une bonne vie. We can do good deeds. Nous pouvons accomplir des œuvres. We can even come to church regularly. Nous pouvons même venir à l'église régulièrement. But that doesn't take care of the problem called sin. Mais ça ne va pas solutionner le problème du péché. The only answer to man's problem of sin. La vraie solution pour le péché de l'homme is found in Jesus Christ. C'est la foi en Jésus-Christ. He and he alone lui et lui seul is the propitiation of our sin.
Et celui qui a fait l'expiation de nos péchés. And he alone can forgive me of my sin. Lui seul peut me pardonner. Years ago, I was invited to Mexico. Il y a des années, j'étais invité au Mexique. And I was there for a week preaching revival meetings. J'ai passé une semaine prêchant à une mission. And I love to watch people go about their daily business. Et j'aime regarder comment les gens passent leur journée. And early one morning, I got up and went to the central plaza to watch people. Et un matin, je suis allé au square principal. And I watched Mexicans crawl on their knees into a church. Et j'ai remarqué des Mexicains qui entraient dans une église catholique à genoux. And they thought that by crawling on their knees to church, God would forgive them of their sins. En se déplaçant à genoux ainsi, ils pensaient que Dieu allait pardonner leurs fautes. Well, what can wash away my sin? Mais qu'est-ce qui peut laver, effacer mes péchés? Only the blood of Jesus. Rien que le sang de Jésus. What can make me whole again? Qu'est-ce qui peut me rendre entier de nouveau? Only the blood of Jesus. Uniquement le sang de Jésus. For it was not with gold or silver that we were redeemed, the Bible tells us. Car ce n'était pas avec de l'or ou de l'argent que nous avons été rachetés. But with the precious blood of Jesus. Mais avec le sang précieux de Jésus. He died on the cross to redeem Il us of our sin. Il est mort sur la croix pour nous racheter de nos péchés. For God so loved the world that he gave his only begotten Son. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Would believe in him would not perish, afin but que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. And all we have to do is recognize his death on the cross. Tout ce que nous avons à faire, c'est de reconnaître sa mort pour nous sur la croix. Simply say, Lord, forgive me of my sin. De dire, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Wash me of my iniquity. Lave-moi de mes iniquités. And the Bible is very clear, the blood of Jesus Christ will forgive. Et la Bible est très claire, le sang de Jésus va effacer nos péchés. Though your sins be as scarlet, they become white as snow, the Bible tells us. Que nos péchés que nos péchés soient comme le cramoisi. Jesus, blanche, comme la neige. Jesus is in the business of changing lives. Jésus est là pour changer nos vies. Hallelujah. He's in the business of taking someone in a pit. Il peut ôter quelqu'un de l'abîme. And lifting them out. Il peut l'élever. And redeeming them by his blood. Et le racheter par son sang. He's in the business of transforming people from darkness to life. Il est là pour nous transformer, pour nous faire pour nous aider à quitter les ténèbres pour rentrer dans sa lumière. That's why Jesus came. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu. To bring radical transformation to our lives. Pour nous transformer de manière radicale. If you don't believe that, look at a man called Saul in the New Testament. Si vous ne le croyez pas, regardez à Saul dans le Nouveau Testament. He was the Jew of Jews. C'était le Juif des Juifs. But he also hated what God was doing. Mais il haïssait ce que Dieu faisait. And he persecuted believers. Et il persécutait les croyants. He hated the founding of the early church. Il haïssait la fondation de cette église. But one day he's on the road to Damascus carrying papers to persecute the church. Mais un jour il était sur la route vers Damas avec des papiers pour persécuter l'église. And Saul had an encounter that day with Jesus Christ, the Savior. Et Saul a rencontré Jésus-Christ, son Sauveur. And Saul's life was changed. Radically. Et sa vie a été changée radicalement. No longer did he persecute the church. Il ne persécutait plus l'église. But he became the proponent of the church. Mais il devenait une colonne dans l'église. He became Paul, the great apostle to the Gentile world. Il est devenu Paul, le grand apôtre. That's the reason Jesus came. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu. Darkness to life, death to life. Des ténèbres à la lumière, la mort à la vie. Radical transformation. Hallelujah. Une transformation radicale. Years ago, my wife and I went to Zimbabwe, Africa. Il y a des années, nous sommes allés au Zimbabwe, en Afrique. We were with a team for a month there doing evangelism meetings. Nous étions avec une équipe pour un mois d'évangélisation. And every night, we had church in a football stadium. Et chaque soir, on avait nos réunions dans un stade de foot. And thousands of people came to hear the message of Jesus. Et des milliers de personnes sont venues pour écouter le message. One night, while we were singing, un soir, pendant qu'on chantait, I happened to notice a man walk into the stadium. J'ai remarqué un homme qui est entré dans le stade. Now, the reason that I noticed him amongst all the others, la raison pour laquelle je l'ai remarqué, was that he looked so differently from everybody else. C'est qu'il avait un regard très différent des autres.